Bonjour, bande de psychopathes. Ici Verlin Boss pour le 44e épisode de Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a réussi à faire le challenge numéro 9 des Bowman avec Dr. Fetus et le remote detonator qui, pour le coup, nous était vachement utile. On n'avait pas compris ça la première fois, donc on s'est fait exploser. Et aujourd'hui, on va faire le challenge 8 parce que je sais pas, ça parle de chat et de langue, donc YOLO. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Joker. Joker. Eh, what? What? C'est un peu comme le machin là, mais... C'est un peu comme le truc qu'on peut pas tirer, mais que machin... Bref, on s'en fout. Comme le change avec les mouches, en gros. Non, mais qui c'est que ce machin? Bon, au moins, on vole. Enfin, dans celui-là aussi, on volait. Mais... Bref. Du coup, on va faire gaffe. Bon, on a quand même pas mal de vie, donc c'est plutôt cool. Bon, c'est vrai que les shops ont une très grande importance. Tiens, j'avais même pas vu la tinted rock là. Oh, nice. Les shops sont vachement importants. Bon, j'allais tirer, j'étais là. Ah, pourquoi ça marche pas? Ouais, c'est plutôt dangereux ça. Oh fuck, oui, effectivement. Pas évident d'utiliser ça, mais. Ah! Sérieux? Ouais, ça va pas être facile. Je sais plus si ce machin se recharge. Se recharge tout seul ou non. C'est pas évident d'utiliser cette connerie. Mais sérieux? C'est vachement dur! Bien trop dur pour ce que c'est bizarre. Non. On va garder le chat, juste. Voir si on peut pas trouver la secret room par hasard. Avec ce machin. Bah, apparemment, c'est pas là. Mettez-vous. Du coup, je sais pas trop où elle est. Alors, ça peut être là, peut-être. One up, why not, hein, c'est pas le meilleur truc à avoir là, mais bon. Non, alors, qu'est-ce que ça donne? Duke of Flies, non. Évidemment. Donc, champion juste là. En contre les mouches, le Guppy Serbol peut être pas mal. Connerie. Mais c'est vrai, c'est du gros bullshit ça, c'est quoi de mon visage? Ok, c'est vrai que je génère des mouches. Je suis Guppy donc je génère des mouches quand je tue les ennemis. Effectivement, bon, je crois qu'on va lui foncer dedans, c'est la meilleure solution au final. C'est vrai que l'idéal serait de trouver un item qui l'aura invincible, mais. Bon, même si le Guppy aide est pas mal. Ah, sérieux! Ouais, ça va être compliqué. Bon, si le Guppy Serbol reste aussi gros, ça va aller, mais. Ok, all setup, sauf du damage. Bon, pas forcément bien, mais. On verra, tant qu'on a de la vie. Ah, ça s'arrête à mon moment celui-là, j'ai l'impression, donc ça va. Hein. C'est pas comme l'autre. On a l'impression que notre Guppy Serbol est. Moins grand que tout. Tout à l'heure. Dommage réduction, je sais pas comment ça marche ce truc, mais bon, ça peut être pas mal. YOLO. Bon, attends. Ils peuvent pas nous attaquer de ce côté normalement. On va pouvoir jouer avec ça. Une tinted rock ici. Ok, bon, pour l'instant, niveau vie, on se débrouille pas mal. Oula, ouais, lui, je l'aime pas. What? Pourquoi je... C'est bizarre. Bon, les mouches, aidez-moi. Voilà. Oh, putain. Genre, mais c'est quoi ça? On est un speeddown ou quoi? C'est... What the fuck? Quoi ce délire? Il est en speeddown, je crois.
J'aime pas ces trucs. Putain, reste sur place, toi. Déjà que je galère à te toucher. Mouche, aidez-moi. Non. Fidèle. Non, tant pis. C'est fait. Voilà. Non. Il y a une plus compliquée. On peut le faire comme ça aussi, ça marche peut-être bien. Ouais. Ouais, ce serait bien si on pouvait avoir accès au shop. Donc, le shop, c'est le seul truc qui peut nous donner des items. Super Prido, putain, ouais, on n'a pas 6 speed, donc c'est pas génial. Évidemment, il y a les Red Poop à côté en même temps. Putain, on n'a pas de speed. S'il n'y avait pas les Red Poop encore, ça passerait. What the fuck? What? Le mec, il est rentré dans la Red Poop. Ok, bon. What? Ok, bon, bref. J'ai rien dit. Non, on peut pas péter les flammes avec ça. Non. Ouais, remote détonateur. Ça me donne des bombes, mais bon, on va pas gaspiller ça. Je sais jamais ce que ça fait, ce truc. Non, si on trouvait la secret room, je la verrais bien être ici. Ouais. Bah. Toujours cette salle. Merde, je me suis gouré. Non, ça... Ah, enfin, ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu celui-là. Bon. Du coup, le damage up nous aidera pour les mouches. Et voyons si le deuxième peut nous donner quelque chose. Non, bah, au moins on a eu le magic mushroom, c'est pas mal. Les mouches seront plus puissantes. Ce... Oh là, The Hunter. Ça va être marrant, ça. Oh putain. Non, ils m'aident pas, là. Ils m'aident pas. Non. Essayons comme ça. Putain, sérieusement. C'est quoi ce boss de merde? Ah! Pas trop de vie contre ce machin. Ouais, ouais, carrément, ouais. Dark Bomb, génial. Non, déjà, tu prends cette vie-là. Est-ce qu'on a d'autres dans le niveau? Non. Non, que dalle, bon. Puis. Son niveau suivant avec Dark Bum, ça devrait pas mal nous aider. Parce que c'est rare qu'au final, ce qu'il nous faut, c'est de la vie. Hein. Et j'ai trop. Je dirais bien YOLO, mais bon, les vagues d'ennemis, là, je les sens pas trop. Ok, ouais, la airball se reset un petit peu. Chaque niveau, ce qui est pas ouf, mais bon. On fera peut-être la salle après. Eh mais du coup, le violet, il va être chiant à tuer. Bon, ça c'est fait. Ah là là. Pourquoi j'ai choisi ce challenge? Non, ça débrouille pas trop mal pour l'instant. Ces trucs qui se font one shot, donc c'est pas mal. Ah, les mouches sont plus puissantes aussi, il faut dire. Grâce au Magic Mushroom. Ces mouches, je les aime pas du tout. Non, ça, je peux pas faire grand chose. Hein. Dark Bomb, merci. Super. Toujours pas de clé. Yeah. Connard. On va la jouer comme ça. Hop. Connerie. Voilà. Oh putain, j'ai eu chaud. Alors, j'ai un PhD, une batterie de la vie. Hmm. La batterie me permettrait d'avoir deux charges de guppy, ça peut être pas mal. Il me semble.
batterie ici. Parlons de deux charges de Guppy. On peut avoir une troisième charge de Guppy, ce serait encore mieux. Ça nous aiderait à bien faire du mal au boss là. Oh, elle est où cette connerie de Secret Room là? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle peut être nulle part. Elle peut être là, c'est bien ce que je pensais. Bon, ici peut-être. Effectivement. Pas de thunes malheureusement. Bon, des bonnes pilules s'il te plaît. Bad trip, non. C'est pas une bonne pilule, bad trip, non. Ok, bon. Pas mal. Est-ce que j'en ai encore plus là? Ouais, nickel. On a toujours pas trouvé de vie. De vie, de thune même. Bon, on va d'abord faire le boss. On va essayer de trouver un peu de thune. Ah bon, c'était touché, mais on l'a explosé. C'était le but. Du speed, c'est pas mal parce que on était un peu lent. Et prendre plus, ouais, je suis pas très chaud là, mais. What the fuck? Pourquoi je me suis touché deux fois? C'est quoi ce délire? Bon, l'homme pauvre call, je pense pas qu'il me serve à grand chose. Bon, c'est peut-être un damageable, je ne sais pas aussi. Non, bref. Bon, j'ai pas l'impression que notre damage est changé. Non, on va essayer d'avoir la batterie. Je sais pas trop comment ça interagit avec Guppy. Mais... Enfin, Guppy's head plutôt. Ah, bah, tiens, une petite drogue, parfait. Pas eu de sens, peut-être Dark Bomb. Nice. Toujours pas si je veux me faire la selle, mais. Ah, vu qu'on a bien boosté notre airball. Ça peut être intéressant. Non, allez, donne-moi une vie, toi. Nickel. Allez, soyons fous. Ok, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et bon, bah, c'est pas vraiment ce que je voulais non plus. Et des araignées, c'était pas ouf, hein. Oh putain. Bon, on a les mouches. Ah, on a encore des mouches. Nickel. Parfait. Est-ce que les mouches peuvent nous aider ici? Ouais, la birabole peut être bien contre lui. Ah, attention. Ça va, c'était pas trop. Même si on n'a rien perdu. Même si on n'a rien gagné, surtout. Bon, on n'aura pas notre thune, mais c'est pas grave. Ah putain. Bon, du coup, on va acheter ça. Et passons au niveau suivant. Non, si on continue avec cette villa, ça devrait aller. Hein. Ça arrête à Mom, donc ça passe. Là, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Ah, ça va, pour l'instant, on va plutôt vite. Intéressant. Est-ce que je prends des risques avec ça? Soyons fous. Ah ouais, bon, par contre, si tu me donnes rien, ça va pas le faire. Le full, ouais, téléportation, c'est pas génial. Strength. Ça peut booster nos mouches pour une salle aussi. Ça peut aussi me redonner de la vie. Bon, s'il te plaît, là. Pas le con. Des batteries, ouais, si tu veux. Je sais pas si c'est bien de l'utiliser maintenant, en fait, mais bon. Putain, il est sérieux, lui. Bon. Il viendra plus tard. Quoique. Vas-y. On va jouer avec lui aussi. C'est un peu de... assez dangereux, ce qu'on a fait. Peut-être pas une bonne idée. Ça, je continue. Evil up, your enemies will pay. D'accord, non. Why not? On va faire exploser un de ces trucs. Peut-être un peu de vie, non, mais il y a de la thune. Ok, intéressant. Et on reviendra plus tard, donc. Et cette fois, si on trouve de la vie, il faut la prendre. Hop, non, non, c'est pas pour Dark Bomb. Bah, tant pis.
On a pris un peu, c'est pas grave. Bon, pour l'instant, nos mouches se débrouillent plutôt pas mal. Ouh, nice. Pas mal de thunes. Ça va être bien pour le shop, ça. Pourquoi on a full, là? Ouais, je ne sais pas. C'est pas la carte que je voulais prendre, mais... Ah, connerie. Plus sorte. Ah. C'est vrai qu'il faut que je prenne de la vie si possible. Oula. Attention. Si tu veux. Pas grand chose. What? Bien, on est dans Curse of... Ah non, je sais pas. Ok, j'ai fait de la merde. Pas trop celui-là avec cette build en plus. Ouais, là, le chat, faut pas oublier. Oh la gueule. Bah, c'est pour moi cette fois. De toute façon, on est au max, donc ce serait con de... Voilà. Ça évidemment je me fais toucher mais batterie ok cool une clé on va attendre un peu quoi qu'on a pas mal de mouches allez allons faire le boss pas sûr ouais. Par contre, ce boss, ouais, c'est ni pas ouf. Ni pas ouf. Putain. Bon, au moins, son espèce de connerie. Son espèce de creep ne nous fera rien, mais. What the fuck? Pourquoi tu téléportes là, toi? Putain, mais on n'a pas assez de speed pour s'éloigner, c'est chiant ça. Casse-toi, bordel, le boss à la con. Qui a inventé ce boss, quoi? Casse-toi. Pas trop s'approcher. Non mais... Ah, il m'énerve. Fais spawn tes merdes à la con, là. Voilà. Non, toi, je te prends. Encore besoin de vie pour l'instant. HP up, ouais. Et... Ok, zombie baby, parfait. Le reste, c'est de la merde. Bon, l'autre nous aurait permis de tirer vite fait, mais bon. On va toujours trouver notre shop. Pourquoi pas la secret room tant qu'on y est. Bon, ça peut être nulle part de ici. Ça s'est arrivé. Ah, du coup, le zombie baby avec Guppy et notre damage, c'est plutôt pas mal. Hein. Pas mal de clés, mais bon, ça sert pas à grand chose. Il semble que ça pouvait pas être là. On va vérifier ça après. Pour l'instant, je veux mon shop. Voilà, damage réduction qui marche. Ok, donc ouais, si je me prends du damage devant, apparemment ça ne fait rien, c'est cool. Enfin, c'est bizarre, ça doit marcher que pour les tirs, enfin, je ne sais pas. J'ai jamais compris comment marchait le masque. Ok, voyons ce qu'il y a dans le shop. Est-ce que je veux plus de champions? Je ne sais pas. Et donc, ok, F2. Si on peut booster notre damage, hein, on aura encore plus de flies. Ah mince, on peut pas. Surtout qu'on a le zombie baby qui nous spawn tout le temps des mouches, donc ça c'est pas mal. Et voyons, où est cette secret room? Est-ce qu'elle peut être là? Ouais, est-ce qu'elle peut être là? Non, ok. C'est réglé, elle devrait être ici.
Un peu de thunes, on pourrait acheter la clé. Et on va le faire. Ouais. C'est jamais. Toujours avoir besoin d'une clé. Mais bon, on a ouvert un coffre, ce qui n'était pas le but, mais bon, tant pis. Bon, on a quand même 5 pièces. Donc ouais, ça va, on va plutôt vite, hein. Non, il reste quand même 2 niveaux à faire, mais bon. Curse of the Blind. Ouais, on voit pas les objets, mais bon, on s'en fout un peu, on n'a pas tant d'objets que ça. Ah, génial! Je dis ça et... Bon, YOLO. Dry Baby, ok, c'est celui qui nous protège des... Enfin non, qui peut nous donner les Necronomicon quand il se fait toucher. Ouais, non, attends, si j'avais su, je sais pas si je l'aurais pris, je pense pas, mais... Ah oui, quand on s'approche des ennemis, des ennemis, il y a moyen qu'ils se fassent toucher, donc ça peut être utile. Enfin, pas ici en l'occurrence, mais... Ah, zombie baby, hein. Bon, contre eux, ça marche pas trop, mais... Ah, ouais, si, même. Hein. Donc, on a pris la belt aussi. Donc, on aura plus de champions, mais... Et on a aussi plus de damage. Donc, bon, ça vaut le coup. Un peu de vie, ouais. Je me souviens de prendre le reste de vie qui me file, parce que je suis au max, là. Il y a un petit hant à la con, on l'explose, ça va. Oula, j'ai cru qu'il y avait un truc bizarre dans cette salle, mais non. Non, ça sert à rien. Lui, il est un peu chiant. Voilà. J'aurais bien pris la flamme, mais c'était... la flamme, ta gueule. J'aurais bien pris le cœur, mais il était dans une flamme, donc ça va être compliqué. Il y a Angel ici, étrange. What the fuck? Ah, je l'ai jamais vu ce champion, je crois. Il est maintenant 20h. Chut, canadien, couché, tu restes dans ta cage. Golden Key, parfait. Super, ça va. Mais celui-là, je le prends. Grid, non. Ça va. C'est pas plutôt pas mal, hein. J'aurais dû le prendre, mais... Ouais, effectivement, j'aurais dû le prendre. Au moins, j'ai des vues en stock, là. Deux, même. Ah, voilà, il s'est touché. Bon, c'était à la fin, donc ça servait à rien, mais... Loki, non. Il y a ce machin qui nous gêne un peu. Il a pas mal de vie ce con en plus. Allez zombie baby, fais ton boulot. Ah il se débrouille bien zombie baby. Ah et lui là. Parfait. Bon ça va, c'est plutôt bien d'abrouiller, je sais pas ce que c'est ça. Evil range shot speed. Et on a trop de vie, bon. on a eu le shop, donc bon, let's go. Pas grand chose à faire dans ce niveau. D'accord, on est plus ou moins... On est bien aidé là, dans ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, bonne question. Bon, ça je l'utiliserai pas. Hop, on verra. On verra le reste plus tard. Pour l'instant, on se débrouille plutôt bien. N'oublions pas qu'on peut voler. Donc ces trucs ne nous font rien. On va garder la batterie pour Mums. Non, pas pour Mums Heart, non. Pas de battre contre Mums Heart. Pour Mom, simplement. Ah, qu'est-ce que je fais là? Oula, une autre batterie, ben parfait.
Merci. Ouais, on va garder les deux batteries du coup pour Mom. Qu'est-ce que tu fais? The Sun. Ouais, c'est vrai qu'on avait The Fool depuis tout à l'heure. Ouais, donc ouais. The Sun. Bon, sinon, on a perdu masse de vie sans raison. Bon, je dis ça, je perds de la vie, mais. Et toi? Bah, toi, je voulais. Ah, bah, parfait, trop de monde. Coffre, vie. Ce bordel. On est Priestess, ça peut être bien, mais contre Mom. Bah! Je tourne tellement que. Je fais n'importe quoi. Bon. Canary. Bon, je joue un peu en mode YOLO là. Bon, il faut faire gaffe parce que c'est pas évident à voir avec cette combinaison. En quoi que ça va en fait. Ah, c'est pété un câble ça. Ça va, on se débrouille. Juste de s'habituer. Cool. Champion violet, hein, c'est qui tire. Et bah du coup on a trouvé Mom, donc donc let's go, hein, pas besoin du shop. On va se charger en mouche. Nelson, si jamais il y a un gros souci, mais on devrait aller. Ah, on a Red Mom, bon, c'est pas si c'est forcément bien, mais. Bon, au moins il n'y a pas d'ennemis qui nous saoule. Yeah. On y est presque. Voilà. Oh, ça va, c'était sympa. Il nous propose quand même le Polaroid, c'est marrant. Et ouais, merci. Bon bah, on a gagné, hein. On a débloqué la rune of Algiz. Ah. On a enfin débloqué une rune. Non, on verra enfin. Pour voir ce que ça fait. Bon, du coup, un épisode un peu plus court, mais bon, ça fait du bien parfois. Et sympa. Sympa comme challenge. Gutturtong, c'est ça? Comment il s'appelait ce con? 4 Gutturtong, exactement. Bon, le challenge 8. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 44e épisode de Rebirth. On se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Bah.